Lève ta main droite vers le Saint trône de sa grâce et répète après moi ces paroles. Mon Père, répète-le avec foi, mon Dieu, j'ai pleine conscience de l'œuvre de la rédemption. Tu m'as racheté à très grand prix. Ma vie est à tes yeux un témoignage évident de ce que tu es capable de faire dans cette génération. C'est pourquoi ma main levée vers le ciel, je déclare de tout mon cœur que par ta grâce, Jésus, je ne trahirai pas la justice de la croix. Tu as payé la rançon pour ma liberté. À partir d'aujourd'hui, je m'engage solennellement à marcher dans la liberté, à démontrer dans ma génération la gloire infaillible de Dieu qui est sur moi au nom suprême de Jésus, à marcher sur les traces de mon Rédempteur et accomplir dans ma génération les espoirs éloquents et témoignants de la puissance de mon Sauveur. Merci. Père, accorde-moi donc la capacité d'entendre la parole et de la comprendre. Illumine les cieux de mon cœur et embrasse mon cœur de la flamme de ton amour. Mets-moi en feu pour Dieu, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Acclame très fort ton roi. Acclame très fort. Alléluia. Gloire à l'agneau. Acclame encore plus fort que ça. Pousse un cri de joie. Sens-toi libre dans sa présence. Pousse un cri de joie au nom suprême de Jésus. Alléluia. Assieds-toi dans sa sublime et glorieuse présence. Gloire à l'agneau. Amen. Nous continuons donc notre enseignement sur ce que la religion m'a volé. Mais avant, je voudrais qu'on puisse écouter, parce qu'il fait partie du message, ce témoignage qui nous vient. Bonsoir, papa. C'est ton fils Christo, depuis le Brésil. Je vous envoie ce message, papa. C'est juste pour faire ce témoignage. Ça fait un bon moment. Papa avait prié pour moi, pour ma situation que j'avais expliquée, que je vous avais expliquée la fois dernière, en ce qui concerne la maladie de l'hépatite B. Papa, par votre prière aujourd'hui, je ne sais pas comment rendre gloire à Dieu et vous remercier. Le 25, je suis allé à l'hôpital pour présenter les examens. À ma grande surprise, moi et le médecin, étant dans son bureau, en présentant les examens à la fin, il a fini de regarder les examens. Il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je fais pour que l'hépatite B puisse disparaître dans mon corps. Et qu'est-ce que s'est passé? Moi, je lui ai juste répondu, si tu crois à Dieu, en plus, si tu crois à l'église où je suis lié au temple de la foi, et si tu crois à la foi qui transmet mon pasteur, qui est mon père, qui s'appelle Raoul Wafo, en Côte d'Ivoire, et tu verras le miracle de ce Dieu. C'est lui qui m'a guéri. C'est pour cela, papa, je voudrais témoigner cela. C'est un grand miracle qui s'est produit dans ma vie parce que j'étais désespéré. Je me disais que la vie n'avait plus de sens. C'est vrai que c'est une maladie, nombreux négligent dans la vie, et il tue plus que le sida. Mais aujourd'hui, Dieu m'a béni, les examens sont sortis négatifs, et Dieu m'a guéri. À travers vous, papa, je dis que le monde entier qui vous écoute partout, j'ai dit un grand merci pour tout ce que vous faites.
C'est pour cela, papa, je vous remercie infiniment et je remercie aussi le bon Dieu. Et vraiment, vous êtes élu et vous êtes un appelé de Dieu. Vous êtes vraiment un serviteur, papa. Que vraiment votre Dieu vous bénisse. C'est ton fils, depuis le Brésil, Chris Lilian. Bonsoir, papa. Voici un témoignage de quelqu'un qui écoute des messages et qui est connecté à cet hôtel depuis le Brésil. Et donc, la première fois, il est entré en contact avec moi, il m'a dit, papa, c'est ça qu'il m'appelle. Il dit, j'ai eu une vision, j'étais terriblement malade et tu m'es apparu en songe. Et donc, tu as prié pour moi dans le songe et j'ai commencé à mieux me sentir. Et donc, pendant que nous parlions, il m'a expliqué qu'il avait l'hépatite B et c'est une maladie incurable. Il était très abattu, très abattu. Il était pratiquement condamné à mort par la maladie. Et voilà donc que nous avons prié et quelques temps plus tard, ayant raconté même ici à l'église son témoignage, il envoie donc il y a quelques jours ce témoignage. Lui-même, il est époustouflé de ce que Dieu a fait. Et moi aussi avec, c'était émouvant, c'est même très émouvant. Il est libéré, il peut continuer de vivre aisément sa vie sur terre. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute pendant ce message que Dieu est sur le point de rectifier certaines erreurs de ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Et d'effacer certaines empreintes du diable qui ont été laissées dans ta vie, quel que soit le domaine. Que ce soit le domaine spirituel, le domaine physique, le domaine financier, je parle sur ta vie. J'ordonne que cette parole aille restaurer ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Pour mes fils qui me connaissent, ils savent que je transporte l'onction que j'ai aimé nommer 3 Jean 2, c'est-à-dire prospérité et santé. Donc, vous ne pouvez pas limiter la capacité de Dieu de faire des choses exceptionnelles. Nous sommes dans une série très importante et le sous-thème que nous avons, c'est ce que la religion m'a volé. Et au point 8, j'ai introduit en disant, la religion a privé le monde de ses héros. La religion a privé le monde de ses héros. Il est écrit dans Actes 1, verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez membre de l'Église. C'est ça? Qu'est-ce qui est écrit? Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dieu t'a oint pour apporter à ta génération un témoignage de sa puissance. Il a fait de toi un ambassadeur itinérant pour démontrer sa gloire partout où tu te trouves. Et ça, le diable ne pourra pas l'arrêter. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tout animal qui se meut et tout les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu crée l'homme à son image. Alors je voudrais te dire que tu es l'image de Dieu. Amen. Déclare après moi, je suis l'image de Dieu. Et c'est ce que Dieu dit de toi, tu es son image. Tu as été créé à son image selon sa ressemblance. Et la pensée qu'il a eue initialement est une pensée de domination. C'est-à-dire une pensée conquérante, une pensée de victoire, une pensée où la gloire se révèle au travers de ta personne. Mais hélas, Dieu nous a créés tous le même jour. Il vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, cela était très bon. Mais il nous a tous, le même jour, il nous a tous rattachés en une personne appelée Adam. Donc nous étions tous en Adam. Adam a été très performant dans le jardin d'Éden. Adam était sage, intelligent, puissant, riche. Adam était très fort. Et vous savez, Adam était majestueux. Mais Adam a échoué parce que sa femme a été séduite. Et donc Adam a perdu sa position. Et quand Adam a perdu sa position, toi et moi avons perdu notre position en Adam. Et c'est pourquoi la rédemption s'imposait. Il est écrit dans Genèse 5, verset 3, que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Mais quand Dieu l'avait créé,
Dieu l'a créé à son image, selon sa ressemblance. Mais quand lui, il a engendré Seth, il a engendré Seth selon son image. Mais en ce temps-là, il avait déjà perdu l'image de Dieu. Voyez-vous, le diable est tellement rusé. Souvent, il nous laisse performants, mais une performance sans ressemblance. Une performance qui n'a rien à voir avec la méthode de Dieu de faire, la méthode de Dieu d'agir. Il y a des gens à l'église qui disent « Dieu m'a béni », mais ils ne sont pas bénis. Ils ont eu l'argent, mais ils ont été maudits. Parce que, en fait, toute victoire, toute possession que tu as, mais qui ne préserve ni l'image, ni la ressemblance, est une malédiction. Adam était toujours dans le jardin, mais il avait perdu Dieu. Il avait perdu sa relation, il avait perdu la gloire. Oh, que ta vie reflète la gloire de Dieu au nom suprême de Jésus. La jeune dame qui est la dame, pas une jeune dame qui disait, regarde, j'étais pas comme ça avant. En fait, il y a dans cette atmosphère un bain de vapeur de gloire. Ça se dérive, ça se sent même sur ta peau. Quand tu commences à fréquenter cet endroit, la parole travaille à l'intérieur et restaure ta dignité. C'est ce qui se passe à cet hôtel. Vous voyez, Adam n'a donc pas laissé d'héritage divin à ses fils, mais il a laissé un héritage physique. On peut laisser l'argent sans laisser la gloire. On peut laisser la richesse sans laisser la divinité. Il avait perdu la divinité. Il n'était plus le divin, il était l'humain. Quelqu'un comprend ça? Et donc c'est ainsi que Jésus a dû revenir. Donc quand Jésus est revenu, Jésus n'est pas revenu pour te chercher toi et moi et nous amener au ciel. Non, c'est ce que la religion veut nous faire croire. On va aller au ciel, le ciel est beau et merveilleux. Alléluia. Oui, païen, prenez le monde, moi j'ai mon Jésus. Cela me suffit. Non, Dieu ne t'a pas sauvé pour t'amener au ciel. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelqu'un dit encore choses anciennes. C'est passé. Encore choses anciennes. C'est passé. Une troisième fois choses anciennes. C'est passé. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et nous a donné le ministère de la réconciliation. En d'autres termes, chaque enfant de Dieu est né d'en haut. Tu n'es pas né d'en bas, mais tu es né d'en haut. Tu appartiens à la juridiction d'en haut. Tu es fils de Dieu. Et donc le diable sait que si tu prends conscience de cette vérité énoncée en si peu de mots, tu vas devenir une terreur. Tu es né de Dieu. Donc si tu es né de Dieu, tu as en toi la vie de Dieu. N'est-ce pas? Je vous pose une autre question. On a adoré Jésus quand il avait quel âge? Dites-moi, il avait quel âge quand on l'a adoré? Il était... Mais qu'est-ce qui a fait qu'on l'adore? C'est parce qu'il était fort? On l'a adoré, pourquoi? Parce qu'il avait en lui la divinité. En fait, les gens, les choses autour ne se prosternent pas devant toi parce que tu es spirituellement fort, mais parce que tu as en toi les gènes de Dieu. Tu as la vie de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Crie à haute voix, je suis enfant de Dieu. J'ai bien dit à haute voix, je n'ai pas dit de murmurer. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, dont l'ADN de Dieu est en toi. Et je vais plus loin. Dans l'ancienne alliance, pour ceux qui sont religieux, ils allaient à l'église pour rencontrer Dieu. Mais nous, nous ne venons pas à l'église pour rencontrer Dieu. Non, nous venons pour la communion. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous transportons Dieu. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Dieu est en moi, Dieu est en toi. Sous ta douche, dans ton warren, dans le baka, il est en toi. Partout où tu vas, il est en toi. Et il est en toi avec toute la plénitude de ce qu'il est. Sa sagesse, son intelligence, sa puissance sont enrobés dans ton corps apparemment faible, mais ô combien fort de l'intérieur. C'est pourquoi tu es capable de bien plus que tu ne peux imaginer. Ta capacité surpasse tes connaissances intellectuelles. Tu es plus important que tes diplômes. Tu as plus de valeur que ton argent. Tu es plus riche que ta banque. C'est ce que tu es, ce genre de personne spéciale que Dieu a conçue. Et vous devez comprendre que par la nouvelle création,
Ce que Dieu a fait, il n'a pas restauré l'état adamique. Il a créé une création plus performante qu'Adam ne l'a été. Au-dessus de ce qu'Adam était, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit, le premier homme était terrestre, mais le second, il est quoi? Il est céleste. Il est céleste. Donc, le second, nous venons de la seconde race, du dernier Adam. Nous sommes célestes. Nous sommes nés d'en haut. Alléluia. Oh, mon frère, si tu pouvais le comprendre, ça changerait tout. Il n'y aurait plus de complexe vis-à-vis du blanc, vis-à-vis du noir, vis-à-vis du métis, vis-à-vis du jaune. Parce qu'en fait, ta performance n'a rien à voir avec la couleur de ta peau, mais de tes origines. Alors ma question est, tu viens d'où? Ta performance n'a rien à voir avec ta nationalité, mais tes origines. Tu viens d'où? Réponds-moi. Ah, j'ai entendu Dalova, c'est pas de là que je dis. Non, tu viens d'où? C'est pas, j'ai pas dit non, 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 non. Tu dis États-Unis, c'est pas de là. Tu viens d'où? Le du ciel, mais les religieux ne peuvent pas croire. Comment je viens du ciel? Mais voici ici, je suis dans la gaga et tu me dis je viens du ciel. C'est-à-dire je n'ai même pas le blé. Tu me dis je viens du ciel. Oui, déclare, je viens du ciel. Encore. Mais vous voyez, qu'est-ce que le diable va faire? Il va s'employer à falsifier ta mentalité, à t'amener à ne jamais prendre conscience de cette vérité. Il sait que le jour où tu finiras par prendre conscience de la vérité au sujet de ton appartenance véritable au royaume de Dieu, de ta filiation avec ton Père et de la capacité en toi, tu deviendras une terreur. Alors tout ce qu'il va faire, c'est essayer de t'amener à vivre, mener une vie naturelle, une vie normale, c'est-à-dire une vie qui est basée sur les repères et les normes naturelles. Ce n'est pas le type de vie que Dieu veut que tu mènes. Il veut que tu mènes une vie surnaturelle. Oui. Et vous voyez, et c'est pour ça qu'il a donc tout fait quand il a vu la nouvelle création manifester des pouvoirs. Quand il a entendu ce que Jésus a dit, il a dit, tiens, voilà ce qu'on va faire. On va stopper ces gars-là en mettant sur pied un stratagème. On va mettre sur pied le stratagème de la religion. On va leur donner un nom. On leur donnera un nom. Voilà, maintenant on dit chrétien. C'est fabuleux. Vous êtes comme Christ, alléluia. Vous êtes comme Christ, alléluia. Vous êtes comme Christ. On était content au départ, comme Christ. Quelqu'un dit chrétien, comme Christ. Encore chrétien, comme Christ. Très bien. Maintenant, si vous prenez quelqu'un donc qui est un né chrétien, qui est un né de père chrétien et qui s'appelle chrétien, est-ce qu'il est comme Christ? Non. Finalement, même les non-christos sont devenus chrétiens. Donc ça veut dire qu'il y a eu un piège. Et donc maintenant, dans les dénominations, toutes les dénominations sont entrées dans l'église, les personnes qui n'ont pas l'ADN de Dieu. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils n'ont pas la ressemblance de Dieu. Ils n'ont pas la capacité de Dieu. Et ce sont eux, justement, qui vont amener les autres à ressembler, à dire, hey, est-ce que tu penses que non, frère, tu es de Dieu? Déclare après moi, je suis de Dieu. Encore, je suis de Dieu. Et c'était bien parce qu'on a pris l'Ancien Testament et on a commencé à te rappeler tous les 10 commandements. Tu ne voleras point, tu ne feras point d'adultère, tu ne mentiras point, tu ne rendras point de faux témoignages. Alléluia. Amen. Obrico satebo, monetebo, datebo, tia, adebo, amen. Toi, tu dis amen, tu as compris quoi? Rindo sa, koribo sa, terenere. Je parle en langue, tu dis amen, tu as compris quoi? Amen veut dire ainsi soit-il. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à améniser sans comprendre ce que ça veut dire. Donc les gens sont devenus simplement dans la loi. Donc ça veut dire là tout de suite tu commences à développer la conscience du péché. Quand tu vas prier, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Et ça paraît tellement spirituel, tellement, oh Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur. C'est-à-dire tu prends les deux qualificatifs les plus dangereux de l'univers, pauvre et pécheur, et tu colles ça sur toi. Voyez-vous? Et tu es étonné de ce que ta vie va dans la pauvreté et le péché. Et tu te demandes d'où ça vient. Tu es pécheur et pauvre. C'est tous les jours que tu le répètes. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Tous les jours. Mais qu'est-ce que ta vie va ressembler à quoi?
elle va ressembler à quoi? Au péché et à la pauvreté. Premier réflexe quand tu vas prier, oh Seigneur, pardonne-moi. Et puis on a la belle invention du péché par omission. Si je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, j'ai quand même fait quelque chose de mal. Pardonne-moi aussi pour ce que je ne sais pas. Voyez-vous? Et donc tout de suite, on est... Mais alors, ça vous paraît juste. Mais en développant la conscience de quoi? Du péché. Et non celle de la justice. Parce que ça change tout. La justice en Christ est une position. Quelqu'un dit position. Assois pas comme, viens ici. Alors voici la porte d'entrée. Tiens ça et monte. Très bien. Voyez-vous? Quand il tient ça, il monte. Monte, monte, monte. Tiens ça et monte. Ce qui fait monter, ce ne sont pas ses capacités. C'est ce que je lui donne qui lui donne l'habileté de se tenir ici. Et à partir de là, dès qu'il est monté, la grâce lui a été faite, c'était une faveur imméritée. Donc il n'est pas venu parce qu'il était le meilleur prieur, parce qu'il était le meilleur jeûneur, parce qu'il était le meilleur des meilleurs. Non, il est venu parce que j'ai reconnu que sans mon secours, il ne pouvait pas monter. Et je l'ai amené à moi. C'est ce que Dieu a fait. Il a envoyé son sauveur. Il a envoyé son fils. Il est descendu, ayant pris une forme humaine pour te ramener à lui, parce qu'il s'est rendu compte que la loi ne pouvait pas te permettre d'être réconcilié. Dans Jean 1, verset 17, il dit, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La grâce est une faveur imméritée. Écoute-moi bien. J'ai dit, quelque chose a été engendré dans le spirituel. Tu vas opérer dans une dimension où tes pieds ne toucheront plus le sol. Tu vas marcher dans... Quelqu'un n'a pas compris. Tu vas... Non, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, tu vas, quelqu'un n'a pas compris. Je te vois accélérer. Je te vois courir. Je te vois posséder. Je te vois envahir. Je te vois te multiplier. Quelqu'un n'a pas compris. Donc la justice est une position. Et quand on est déclaré juste, c'est comme si on n'avait jamais péché. Oh, 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 oh. Je n'ai jamais péché. Mon voisin dit c'est faux. Vous voyez, je vous avais bien dit que c'est parce qu'il manque souvent. Mais je connais ce gars, Raoul Wafon. Hey, Batman, c'est le nom que ce gars-là. Non, il était toujours en boîte toute la nuit. Il dit, il n'a jamais péché. Joe, je n'ai jamais péché. Parce qu'en fait, tu parles de quelqu'un qui n'est plus là. Qui quelqu'un est en crise, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Alléluia. Alors si c'est vrai que c'est passé, qu'est-ce que tu fouilles dans ton passé? Dépasse ton passé. Dépasse ton passé. Arrête de fouiller dans ton passé. Je suis une ancienne prostituée. Ça, c'est le passé. Je suis un ancien voleur. Ça, c'est le passé. Je suis un ancien brigand. Ça, c'est le passé. Je suis un ancien ministre de la République. Ça, c'est le passé. Laisse le passé derrière. C'est une nouvelle création. Et le drame, c'est que nous ne comprenons pas que nos performances sont reliées à la révélation que nous avons de qui nous sommes. Et la religion ne veut pas que tu saches qui tu es. Déclare encore, je suis une nouvelle création. S'il te plaît, dis-le encore. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, ayant compris ça, révérend Hervé, il va dire aux disciples, écoutez les gars, je suis sur le point de partir. Mais je vais vous donner la signalétique qui vous permettra de savoir qui est des vôtres et qui n'est pas des vôtres. Marc 16, versets 15 à 17. Vous voyez, quand on lit ce texte, vous ne comprenez pas trop bien. Homme de Dieu, regardez-moi. Toutes les personnes qui sont ici, regardez-moi. Vous qui êtes en direct, regardez-moi bien. Ne soyez pas distraits. Revenons sur Marc 16, 15. Il est écrit, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Regardez, il dit, quand vous allez prêcher, faites attention parce que beaucoup de personnes vont se joindre à vous. Mais voici comment vous reconnaîtrez ceux qui sont des vôtres. Donnons la suite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici dans les miracles, celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Il dit,
Vous serez tous là. Ils viendront à l'église avec vous. Ils vont chanter avec vous. Mais vous ne perdez pas le temps en pensant que tout cela, ce sont les vôtres. Voici comment vous allez reconnaître ceux qui sont des vôtres. Les miracles là vont les accompagner. C'est-à-dire, à mon nom, ils chasseront les démons. Premier indicateur de ton appartenance au royaume, la capacité à terroriser l'enfer. Amen. Amen. Quelqu'un dit yes. Yes. Ta capacité à terroriser l'enfer. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je veux te dire aujourd'hui que Dieu m'a dit de te dire, quelle que soit ta position, quel que soit ton rang social, que les démons te respectent et savent qui tu es. Est-ce que quelqu'un comprend? Les démons te respectent. Je suis en train de te dire que les démons te respectent. Et ils ont peur de toi à cause de ce que tu es devenu. Donc, il dit, ils chasseront les démons. Il dit, ils parleront de nouvelles. Des nouvelles. Rando, pakalete, rambo, mande, kekebo. Chelelele, rakoto, kendao, rikala. Oh, toi aussi, parle, rikotome. Le problème avec certains d'entre vous, vous savez pourquoi vous ne parlez pas? Parce que vous êtes là, vous dites, hein, si Dieu est vraiment là, si c'est vraiment Dieu qui me donne d'homme les langues, je ne veux pas parler une langue qui est fausse. C'est toi qui vas parler, ce n'est pas Dieu qui parle à ta place. Le drame, c'est ça. Il y a tellement de personnes qui ont des protocoles sataniques dans la présence, protocoles religieux dans la présence de Dieu. Seigneur, si c'est vraiment toi, parle. Et il sait, c'est là, hein? Parle. Si c'est toi, ouvre ma bouche et puis parle. Non, il dit, et le Saint, il se mit à parler comme le Saint-Esprit leur donnait. C'est toi qui parles, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Mais tu entends, tu parles. Elle ne peut pas être fausse. Même au départ, si c'est faux, ça va changer en vrai. Parle seulement. Tu sens quelque chose à l'intérieur. Une poussée. Rico, maka, balalala. Et puis après, tu rouba babou, sikatakatea. Quelque chose se passe. Une nouvelle langue est arrivée. Ah! Amen! Alléluia! Rico, ton man de sete. Ils parleront de nouvelles langues. Alors la suite, ils saisiront. Voyez? Ils saisiront des serpents. Oh, ça c'est fort. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Personne ne pourra t'empoisonner. Frère, je t'ai dit que j'ai engendré dans l'esprit. Je déclare des paroles prophétiques et tu es silencieux. Personne ne pourra t'empoisonner. S'ils boivent des breuvages mortels, ça ne fera point de mal. Continuons, ils imposeront le mot malade et les malades seront guéris. Ça, c'est le B.A.B.A. B.A.B.A. Le Seigneur m'a montré que c'est le B.A.B.A. Aujourd'hui, je vois des guérisons par SMS. Parce qu'il est écrit dans Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Jésus n'a pas guéri par SMS, mais il n'y avait pas de SMS à l'époque. Moi, je peux te guérir par la grâce de Dieu, par SMS, c'est-à-dire Jésus te guérit au travers des SMS. Frère, arrêtez de rester là comme des criquets. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Confesse-le, je suis un enfant de Dieu. Encore. Alors, à cause de ça, tu es un enfant de Dieu, tu auras beaucoup de preuves. Ah, moi je veux mener une vie paisible et tranquille. L'Église n'a jamais été paisible et tranquille. L'Église a toujours été persécutée. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Pourquoi? Parce que la persécution amène à l'évidence ton appartenance à Dieu. Parce que sans épreuve, il n'y a pas de preuve. Et ça, c'est l'épreuve par laquelle tu passes qui amènera la preuve de ton appartenance à la race que nous sommes devenus. L'ADN de Dieu est en moi. Dis-le, l'ADN. Encore. Frères et sœurs, on n'a pas à prophétiser pour que le lionceau finisse lion de la forêt. Il a l'ADN de la royauté. Même quand une biche de 20 ans voit un lionceau de 1 mois, elle commence à fuir. Parce qu'elle sait que ce gars a l'ADN du prédateur. Amen. Le lion finit toujours par manger la biche.
Amen. Parce qu'il n'est pas herbivore, il est carnivore. Déclare après moi, la royauté est en moi. Non, s'il te plaît, confesse-le encore. Alléluia. Il y aura des épreuves. On va t'attaquer. On va te calomnier. On va raconter des histoires. On va te jeter des bouts de banane. On va t'isoler au bureau. On va te. Mais lui, Dieu, au milieu de tout ça, il dit, béni soit Dieu qui nous donne de toujours triompher en Christ. C'est-à-dire, nous appartenons à la race indestructible. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Regardez-moi bien, frères et sœurs. Je suis indestructible. Je peux vous donner des exemples de morts programmés auxquels j'ai échappé jusqu'aujourd'hui. Et la bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes, c'est que Dieu avait un plan rattaché à ton existence. Et même quand tu ne connaissais pas Christ, il a escorté ta vie vers la présence des anges parce qu'il savait que par toi, il était en train d'écrire quelque chose de particulier. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a infusé en toi ce souffle de vie que les malotrus et que ces hommes de ténèbres pourront atteindre. Mets ta main sur ta tête. Dis, je suis indestructible. Encore. Alléluia. Amen. Fais-le savoir au village. Fais-le savoir aux villageois. Fais-le savoir aux sorciers. Fais-le savoir à vos voisins. Dites-le à vos amis. Parce que ce que vous n'affirmez pas est perdu. Ce que vous affirmez devient une possession. Déclarez-le. Affirmez-le. Je suis indestructible. La religion ne peut pas te le voler. Dis encore, je suis indestructible. Alléluia. C'est ce que tu es, frère. C'est ce que tu es. Regardez le cas de l'apôtre Paul. On dira, mais c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Dieu envoie quelqu'un et puis il y a naufrage. C'est Dieu qui t'a envoyé, ma fille, Patricia, et il y a naufrage. Le religieux va dire, oui, mais si Dieu était avec lui, pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté la tempête? Il y a des moments où Dieu n'arrête pas la tempête, mais il accélère la tempête. Ah, vous savez, arrêtez le langage religieux. Seigneur, nous allons faire la traversée. Si tu es vraiment là, que les eaux soient calmes. Il y a des moments où Dieu laisse que les eaux soient agitées. Parce qu'il sait que la solution aux tempêtes est dans la barque. Donc il n'a pas besoin de calmer la tempête parce que la solution est dedans. S'il n'y a que les païens, il peut calmer la tempête. Mais quand tu es là, tu es maître de la tempête. Donc il laisse la tempête se lever parce que son maître est dans la pirogue. Donc tu ne peux pas te mettre là à crier comme les païens alors que tu as autorité sur la tempête. Tu dois te lever et dire tempête. Hé, tu t'es trompé ou quoi? Calme-toi. Et là, la tempête se calme. Amen. C'est ce que tu es. Tu vois, tu me regardes. Je ne suis pas un super-héros. Nous sommes de la même race. Toi et moi, nous sommes de la même race. Arrête de me regarder comme un super-héros. Je suis de parle de toi. Tu es capable des mêmes exploits. Tu peux aller au-delà. Ce que Dieu va faire par toi surpasse ce que ton intelligence peut concevoir. Tu es un super-héros. C'est ce que tu es. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Enfin, je vais te poser une autre question, ma fille. Comment vas-tu ressusciter un mort si tu n'as pas essayé? Comment vas-tu guérir un malade si tu n'as pas prié? Le drame, c'est que quand l'épreuve arrive, c'est simplement parce que Dieu sait que c'est le temps pour toi. À vous amener un mot ici à l'église, je prierai pour lui. Il ne rentrera pas mort. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Je ne veux pas reculer parce que c'est ce que je suis. La religion nous fait tellement de tort que quand les gens ont un problème de maladie, ils dorment à la maison. Ils viennent à l'église quand ils sont en bonne santé. Portez vos lits. Venez avec le lit. Dès que vous arrivez devant, vous allez vous lever pour entrer à l'église. Mettez le lit dans la bâche et venez faire culte. Amen. Elle a crié, hein? Ah ouais? C'est ha, hein? Ah ouais, ouais. Dieu est puissant. Oh, c'est ça. Le royaume des cieux est forcé. Les violents s'en emparent. L'apôtre Paul est en plein. Il est en plein. Il y a une phrase. Et ensuite, il est recueilli au rivage. Regardez ce qui va lui arriver. Acte 28, verset 3 à 6. Et il a ramassé un tas de broussailles et il a mis au feu une vipère en sortie par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. La vipère, il est croyant. Les autres sont des païens. Mais la vipère vient sur sa main. Pourquoi sur la main de Paul et pas sur la main d'un autre prisonnier? Pourquoi? Parce que Paul était la solution de la vipère. Quelqu'un n'a pas compris.
été la solution de la vipère. Souvent, si le mal va arriver à un groupe de personnes, Dieu va envoyer le mal vers la personne qui a la solution au mal. Pour que le groupe soit épargné, le mal viendra vers toi. Pourquoi ton pasteur est attaqué? C'est parce qu'il porte tes attaques. C'est à cause de toi qu'on m'attaque. C'est pas à cause de moi, c'est à cause de toi. Mais Dieu sait que si ça me trouve, ça ne te teint pas. C'est exactement ce qui se passe. Dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe. La vipère là allait mordre quelqu'un d'autre. Mais Paul l'a ramassé. Alors je déclare sur ta vie que tu vas ramasser les problèmes des autres. Tu vas les ramasser, les problèmes de ta famille. Tu vas les prendre, les problèmes, à tes mains, et tu vas les jeter au feu. C'est toi qui as la solution. C'est toi qui as la solution. Tu vas jeter ça au feu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu mettras ça au feu. Et quand il a jeté au feu, il a secoué son bras. Elle est tombée au feu. La Bible dit, voyez-vous, les gens ont dit, ce homme est meurtrier. On est tous ici. Regardez les païens, les religieux. On est tous ici. Pourquoi c'est lui seul que la vipère a mordu? Si vraiment il était avec Dieu, pourquoi ça n'a pas mordu les autres? Ce homme bandit, on vous a dit. Ce gars-là, il n'est pas de Dieu. Cette fille-là, on vous a déjà dit, Dieu n'est pas dans son affaire. Frère, vous savez, je ne sais pas. Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous ne lisent pas la Bible. Pierre, Dieu est apparu à Paul. Il lui a fait cours à domicile sur la révélation du royaume. Séminaire personnalisé. Pas en ligne, en direct. À Paul. Regardez les histoires de Paul. Battu 40 coups moins un, deux fois. Laissé sur mort, pour mort. Lisez les histoires de Paul. L'évangile n'est pas ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est un évangile dilué. Dilué par le liquide de la religion. Affaibli l'évangile. Et la Bible dit, ces gens, regardez, s'attendaient à le voir mort enflé et tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, je veux te dire, ils ont attaché ton nom, ils ont dit c'est fini, tu ne vas plus percer. Ils vont attendre. Ils vont attendre. On dit, l'heure est arrivée. Ils attendent. Après deux jours, ils attendent. Après encore, ils attendent. Et après encore, ils attendent. Vous savez, il ne faut pas empêcher aux gens d'attendre. Laissez-les attendre. Il faut qu'ils attendent. Qu'ils attendent que tu ailles en prison. Qu'ils attendent que tu tombes. Qu'ils attendent que ton ministère s'écroule. Qu'ils attendent que tu meurs. Laissez-les attendre. Parce que c'est face à l'attente que se produit le miracle. Laissez-les attendre. Qu'ils attendent. Tu attendras longtemps. Continue d'attendre. Et la Bible dit, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis. J'appelle ça la météo de la persécution. La météo de la persécution. À un certain moment, c'est chaud. À un certain moment, c'est froid. Les opinions, c'est comme la météo. Ça change. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça change. Ce qu'ils disent de toi aujourd'hui, demain, ils changeront d'avis. Je te garantis que demain, ils changeront d'avis. Bamba, je te le dis, demain, ils changeront d'avis. Amen. Alléluia! Ils vont changer d'avis! Ce n'est pas discutable, frère. Les gens veulent se moquer de toi, mais tu as dit ça depuis, on ne voit rien. Ils n'ont qu'à continuer à attendre. Ils vont voir, ils ne mourront pas sans voir. Ils ne mourront pas sans voir. Souvent, l'immensité de l'adversité ou des adversaires est la garantie de l'activation et de l'accélération de ton miracle. Parce que plus ils sont nombreux, mieux le ciel a envie de faire des choses. Parce que la Bible... Parce que la Bible dit, vous serez mes témoins. Mais s'il n'y a pas de personne autour, tu vas témoigner à qui? Ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Et c'est eux qui viendront te demander conseil. Il y a des saisons dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, toi et moi sont appelés à un autre niveau de performance et de productivité. Arrêtez d'être de ceux qui adorent Jésus qui n'est pas le Jésus que moi j'adore. Mon Jésus n'est plus le bébé qui est en train de téter là, et il tète depuis là, il tète, n'a pas fini de téter. Dis au bébé, arrête de téter, tu n'as pas grandi ou quoi?
C'est pas un Jésus crucifié qui est toujours là sur la croix. La Bible dit de ne pas faire de représentation taillée. Vous savez pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il sait que les images ont un impact. Ce que tu as dans ta tête influence sur en quoi tu crois. Ce que tu vois, fais attention. Les images ont un impact. Il sait. Dieu n'est pas bête. Il n'est pas non plus. Frère, ce blanc-blanc qui te fait croire que non, le christianisme c'est la religion des blancs, il n'est pas ce blanc-là, non, il est Dieu fait chair. Amen. Il est le premier et le dernier, il est le resté d'entre les morts, il est l'alpha et l'oméga, c'est ça notre Jésus. Amen. C'est ce qu'il est. Quel Jésus adores-tu? Aujourd'hui, on a des gens qui sont là. Ah oui, ton Jésus n'est pas capable de faire pour toi des choses. Mais ce n'est pas possible. La Bible dit, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Jésus est la garantie de ton règne. Amen. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Amen. Il est la garantie du règne. C'est par lui que tu règnes. Tu règnes dans la vie. Frère, tu règnes dans la vie. Je vais au lit en pensant au règne. Même quand je dors comme un roi, je me lève comme un prince. Frères et sœurs, c'est à l'intérieur. La royauté, ça fait partie de ton ADN. Tu règnes dans la vie. Ne permets pas aux circonstances de te déconnecter de la vérité à ton sujet. Tu es ton roi, tu règnes dans la vie. Tu es une nouvelle création. Alléluia. Et c'est pour ça que quand Jésus est ressuscité, il a tenu à se montrer à ses disciples avec une image différente. Il n'a plus voulu se montrer simplement comme le gars, le barbu de qui on a arraché la barbe, le visage ensanglanté. On est allé Marie à la tombe le chercher, il n'y était plus. Et les anges ont demandé, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il était en train de leur donner premièrement la preuve que la mort a été terrassée et que la mort n'était pas un ennemi capable de le retenir. Je suis en train de te dire que si il y a quelque chose de ta vie qui est mort, attends la résurrection. Vous savez frère, souvent les sorciers parlent et vous croyez. Je parle aux hommes qui m'écoutent, mais là je parle avec une puissance X multipliée par je ne sais pas combien de milliards de fois. Quand je dis, si quelque chose était mort, tu retrouveras, je suis en train de te dire. Si ton mariage est mort, tu le retrouves. L'amour de ton mari est mort, tu le retrouves. L'amour de ta femme, tu le retrouves. Même si ton est mort, tu le retrouves. Tout ce qui était mort revient à la vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Amen, frère. C'est ça la puissance de Dieu. Elle est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre. C'est la puissance de la résurrection, capable de ramener à l'existence tout ce qui est mort. Jésus, quand il se présente à ses disciples, la Bible dit, quand les gars sont arrivés, les portes étaient fermées. Parce que je vais vous dire, il y a des moments de votre marche où les portes vont être fermées. Vous serez dans un endroit où vous êtes fermés parce que vous ne savez pas quoi faire. N'essayez pas de forcer la porte. Laissez Jésus passer par le mur. Le problème, c'est que souvent, vous êtes toujours en train de vouloir faire les choses comme vous les faisiez avant. Jésus dit non. Maintenant, nous sommes entrés dans une dimension, une phase où les choses ne se font plus comme avant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que quand vous êtes au culte, si quelqu'un vous envoie un message et vous répondez, vous péchez. Et vous vous privez de la grâce de Dieu. Honorez la présence de Dieu. Donc, vous savez, il est passé par le mur. Il est entré dans la salle. Les apôtres étaient là. Il dit que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, il est entré. Les gars disent, il dit aux gars, c'est moi Jésus. Il se présente, il montre ses cicatrices. Vous ne pouvez pas être un leader, une personne d'impact, si vous n'avez pas de cicatrices. Impossible. Quelqu'un qui vous dit « je suis un leader sans cicatrices » est un menteur. Si vous montre une photo sans cicatrices, il a fait Photoshop. Il a enlevé les traces. Ne cache pas tes cicatrices, montre-les. Parle de tes échecs transformés en victoire, des batailles livrées transformées en véritable conquête. C'est ce qui fait ta force. Respectez les gens pour ce
de quoi ils ont survécu. Respectez les gens pour ce de quoi ils ont survécu. Vous voyez, c'est très important. Si vous avez survécu à des choses, ça vous qualifie spirituellement. C'est très important. Amen. Donc n'aie pas peur d'affronter, n'aie pas peur. Tu diras, mon Dieu, je veux voir ta gloire. Si donc la maladie, même le Covid, entrait dans ton corps, certains d'entre nous avons survécu au Covid. On a Covidé le Covid, on a écrasé le Covid, et on est passé par le Covid, et on est vivant, parce qu'on a regardé la victoire de la croix. Quelqu'un crie Alléluia! Quelqu'un dise victoire! Alléluia! C'est ta portion et ton partage. Que Dieu t'accompagne, que sa main soit sur toi, que sa grâce soit avec toi. Amen! Le ressuscité vit en toi. Mets ta main sur ton ventre et déclare le ressuscité vit en moi. Encore! Une dernière fois! Alléluia! Frère! Est-ce que vous savez que souvent Dieu vous rend faible parce qu'il veut vous rendre fort? Tu n'as pas compris. Il y a des domaines où tu dis, je ne suis peut-être pas brillant comme les autres. Je ne suis peut-être pas bon orateur comme les autres. Je ne suis pas peut-être bon comme les autres. Oh Seigneur, si j'étais au moins comme les autres, peut-être que tu m'aurais élevé. Il dit, hé hey, gars, calme-toi, ma grâce suffit. Je t'ai rendu handicapé dans ce domaine pour te donner ma force. Parce que tant que tu n'es pas handicapé, ma grâce ne vient pas à ton secours. Donc là où tu te sens limité naturellement, c'est le meilleur endroit où la grâce de Dieu opère avec force. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, oui, oui. Parce que pour étonner les gens, il faut que quelqu'un qui t'a connu non performant te retrouve dans la performance. Et il dit, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est la même personne? C'est pas le gars que je connaissais, c'est pas la fille que je connaissais. Mais c'est pas vrai. C'est pas elle qui jetait le foulard là, mais elle sortait avec l'homme. Elle sortait avec... Mais c'était elle, c'était le passé. Dieu a chamboulé, changé, nettoyé, transformé. Quelqu'un dit, yeah! C'est ça ton partage. C'est ça ton héritage, frère. Alléluia. Amen. Je prononce le divorce vis-à-vis de toute entité spirituelle oppressant ta vie. Que cela te libère au nom suprême de Jésus. Je balance au feu toute vipère attachée à ta destinée au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne encore amen. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dis après moi, je suis condamné à la prééminence. Déclare le plus fort. Une dernière fois. Alléluia. Amen. Par exemple, ma fille Blessing a une vision de faire des choses comme au type Josh Meyer. Mais je lui dis, vois plus grand qu'elle. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, frère, ne te limite jamais. Il faut aller, il faut voir plus grand. C'est-à-dire, plus, vois grand. Dieu ne fait jamais les petites choses. Même si tout ce qu'il fait, il commence petit. La petitesse de Dieu cache la grandeur. Regarde grand, vois grand, ne te limite pas. Il faut apprendre à agir pour ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu as le pouvoir. N'aie pas peur, tu es immunisé. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Le plus dur, c'est de sortir de la barque et de poser les pieds sur les eaux. En fait, ce n'est pas sur les eaux que tu poses les pieds. Parce que celui qui t'a appelé a déjà établi un pont entre les eaux et ton pied. La parole qu'il t'a donnée est déjà le support qui te permet d'être au-dessus de toutes les turbulences de la mer. Qui te donne le pouvoir, il y a un garde-fou autour qui te permet de ne pas succomber. Parce que aussi longtemps que tu crois en la parole qu'il t'a donnée, tu es énergisé, infusé d'une capacité d'en haut qui te révèle dans une autre dimension. J'appelle cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Et c'est pour ça, vous voyez, frères et sœurs, que j'ai dit que le Adam ayant échoué, Dieu avait une préoccupation. C'était de ramener à la terre et à la création le spécimen qui devait régner sur elle. Vous me comprenez? Est-ce que tu me comprends bien? Donc Dieu n'avait pas l'intention d'avoir simplement de nouveaux religieux qui allaient aller à l'église. Il avait l'intention de bâtir une nouvelle création qui allait gouverner la terre parce que sa mentalité de règne n'a pas changé.
La royauté est dans la pensée de Dieu. Alors il a recréé nous que nous sommes pour donner à la terre dans tous les secteurs un nouveau prototype d'humain capable de dominer. Alors quand vous voyez ce que l'église fait aujourd'hui, est-ce qu'on domine? Non, 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 répondez-moi aisément, est-ce qu'on domine? Je vous donne des secteurs de la vie, dans la politique. Quand le chrétien qui domine? Parce qu'on a dit que la politique n'est pas chrétienne. Daniel et Joseph, c'était une erreur. C'est ce que tu es en train de dire, n'est-ce pas? Ok, c'est ce qu'on a dit. Je vous donne un autre domaine, dans le domaine de la science. Quel est le chrétien qui domine? Ou alors, vous me dites, le croyant ici, celui qui est croyant, il domine où? Et vous avez quel croyant? Quel enfant de Dieu qui domine? Il n'y en a pas. Prenez le domaine du sport. Il n'y en a pas. Ce n'est pas qu'il ne peut pas avoir des Eto'o, des Drogba, des messies. Non, mais pourquoi? C'est que l'église les a chassés. L'église a dit, on ne croit pas en ça. On ne croit pas au gars qui tape la balle. Tapez la balle, ouvre ta Bible, lis matin et soir, tu es quelqu'un que Dieu va aimer. Comme si le don naturel que Dieu t'a donné, c'était au hasard. Alors le diable a dit, ok, s'ils ne veulent pas de vous là-bas, moi je vous prends ici. Alors les gars ont commencé à aller taper au ballon. Et à l'église, quand ils viennent, on ne veut pas d'eux au départ. Mais dès qu'ils commencent à avoir un peu, s'il arrive en cul, oh, il est là, dégagez tout le monde, faites le tapis rouge, venez vous asseoir. Pourquoi? Parce que c'est son blé. On a refusé son talent, mais son blé n'a pas de couleur, ni d'odeur. Voilà le vrai problème. Frères et sœurs, c'est ça la vérité. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que l'Église doit faire? L'Église doit pousser chacun dans le couloir de sa destinée. L'Église doit encourager chacun à aller dans son couloir. Et je vais vous dire, je le crois fortement. Nous le pensons ici au niveau du clergé. Toute personne qui entre dans cette Église a un mandat divin. Tout le monde est appelé à accomplir sa destinée. Personne, on ne peut dire de personne qu'il est un échec. Parce que Dieu a l'intelligence et la courtoisie de cacher dans la faiblesse une force est terrible. C'est ce que Dieu fait. Il est puissant. Ne te limite pas. Romains 8, verset 19. Alors la création attend avec un ardent désir la révélation de qui? Oh, répète si tu peux, qui? En attend la révélation de qui? Des fils de Dieu. C'est fabuleux. C'est beau. La création t'attend. Tu es fils de Dieu. Lève la main. Alléluia. La création t'attend. C'est merveilleux. Mais quand on dit création, c'est qui? Mon frère en blanc de l'autre côté, c'est quoi la création? Oui, toi, pas derrière toi. Toi, tu es important aux yeux de Dieu, Dieu te connaît. Alors, c'est quoi la création? C'est l'homme, c'est la femme, c'est quoi? C'est les poissons aussi? Il y a la nature. Oh, tu es très intelligent. Il y a la nature, il y a tout. Donc, c'est la création. Quand on dit la création, attends, Romains 8, verset 19, mettez le texte, que tout le monde regarde un moment. Alors, 1, 2, 3, on lit à haute voix. Aussi la création attendait avec tellement d'attente la révélation des fils. La création attend la révélation des fils ou du fils? Des fils. Alors, quand on parle des fils, est-ce qu'il s'agit de Jésus? Non. Est-ce qu'il peut s'agir de Jésus? Non. Non, mais regardez Romains 8, verset 29. Regardez Romains 8, verset 29. Il explique plus tard. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de... Ça veut dire que la création attend les gens qui sont comme des petits Christ. C'est-à-dire des personnes identiques à Christ. La création n'attend pas les chrétiens, mais les personnes qui se révèlent comme Christ. Au départ, les chrétiens étaient des petits Christ, mais aujourd'hui, les chrétiens sont majoritairement des chrétiens. Donc, ce n'est pas des petits Christ. Afin que Christ fût le premier né d'entre eux. Maintenant, venez avec moi ici. Viens avec moi, viens. Reviens, venez, venez. Voyez-vous, si nous sommes une fratrie, qu'est-ce qui caractérise les frères? Ils se ressemblent. Regardez comment on est zango ici. C'est les frères. Amen. On est frères. Amen. Et ça, nous sommes des frères. Amen. Nous sommes des frères. Frères, comment tu vas? Amen. On peut être frère et puis révérend en même temps. Oui, bien sûr. On est frère. Amen. Frère, comment ça va? Ce qu'il y a d'intéressant avec les frères, c'est qu'ils sont frères, ils ont d'abord une communion entre eux, et de deux, ils portent les mêmes gènes. C'est-à-dire, dans la fraternité, nous avons tous l'ADN du Père. Donc Jésus n'est pas le spécimen unique que les croyants regardent en disant « oui, lui, il était extraordinaire ». Non, Dieu nous a rendus dans la nouvelle création semblable à Jésus. Donc Jésus, nous ne sommes pas la continuité d'Adam dans la chair, non, parce que la lignée d'Adam s'est arrêtée par la nouvelle naissance. Dès que la croix a été instaurée, c'était la fin du règne adamique pour maintenant la naissance du nouveau règne de l'homme nouveau engendré par Christ. Donc si Christ a été capable de rester les morts, les frères de Christ
sont aussi capables de ressusciter des morts. C'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Cependant, je suis encore avec vous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oh, dis, je suis capable de grands espoirs. S'il te plaît, déclare-le. Alléluia. Vous savez, ce que j'attends de toi après ce message, s'il y a un mort à côté de ta maison, demande qu'on ne l'amène pas à la mort. Prie pour lui. Ne m'appelle pas, hein. Prie pour lui. S'il y a un mort à côté, essaye d'abord la prière. Parce que tu es peut-être ce gars qui va créer un réveil terrible dans ta zone. Toute information que tu as en tant qu'enfant de Dieu n'est pas au hasard. Tout ce qui se passe à côté de toi n'est pas au hasard. Même si quelqu'un tombe et venir à côté de toi, ce n'est pas au hasard. Si quelqu'un chute à côté de toi, ce n'est pas au hasard. Si c'est à côté de toi, c'est que Dieu sait que la solution n'est pas loin. Il faut essayer. Dis après moi, je vais essayer. Encore, s'il te plaît, encore. Je vais essayer. Une dernière fois. Je vais essayer. C'est très important. En essayant, il y aura des exploits. Vous savez, il y aura des exploits. Il y aura des exploits. Amen, il y aura des exploits. Dis, je suis un tueur des géants. Je suis de la race de Jésus. Il y a 2 semaines, j'ai pleuré quand je priais. Quand j'ai prié, puis Dieu m'a dit, tu as pour coutume de dire que tu es de la trame des derniers de Joseph. Et il dit, je veux t'informer que ce n'est pas vrai. Tu es au-dessus d'eux. Il dit, il faut que tu en prennes conscience, tu l'as souvent dit, mais tu n'as pas réalisé au fond de toi que tu as une classe au-dessus de Daniel et de Joseph. Donc ça veut dire que ni Abraham, ni Moïse, ni Joseph, ni Daniel ne peut t'égaler. C'est pour ça que Jésus a dit, de tous les prophètes et des femmes, il n'y a pas que le plus grand que Jean-Baptiste, cependant le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Je suis en train de te dire que tu es grand. Non, je suis en train de te dire que tu es grande. Amen. Ta manière de dire amen m'embête, je dis tu es grand. Amen. Je dis encore tu es grand. Amen. Tu es grand. Amen. La grandeur est attachée à ta personne. Amen. Donc, tu n'as pas le droit de terminer deuxième. Numéro uno. Si vous voulez m'offrir un maillot, ne mettez pas 9. Numéro uno. C'est ça. Ouais, c'est ça, je suis la tête. Même quand je mange le poisson, j'aime la tête. Je suis la tête. Quelqu'un dit, je suis la tête. Et non la queue. Déclare-le encore. Ouais, je termine avec ce témoignage. Vous prenez une Mercedes 190, la plus petite, et vous prenez une Mercedes 500 AMG biturbo. Vous prenez le moteur. Vous mettez dans une 190. Vous avez compris ça? Ou alors vous prenons plutôt une Renault 12. Vous les mettez là, mais vous prenez une Mercedes 500. Vous mettez le moteur dans une Renault 12. Vous l'adaptez et vous mettez les gens au volant. Vous dites, bon, on va faire la course. Qui gagne? Qui va gagner? Qui va gagner? Renault 12 avec le moteur de Mercedes 500. Alors Dieu était tellement rusé qui nous a laissés sur terre avec la même carapace que les hommes. Tu as compris? Il nous a laissés sur terre avec la même carapace que les hommes. Est-ce que vous pouvez venir ici auprès de moi encore quelques-uns, s'il vous plaît? Donc, vous voyez, dans ce cas, venez encore là. Nous sommes tous là. Et puis à l'intérieur, imaginons qu'ils sont païens, mais Dieu à l'intérieur a changé ton cœur qui est ton moteur. Maintenant on dit aller en compétition. Qui va gagner? Parce qu'eux ils ont les moteurs Renault 12, moi j'ai un moteur AMG Mercedes 500. Dès que j'appuie, boum, je suis déjà parti. Mais eux ça fait coyote, 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 coyote. Il n'y a pas possibilité d'avancer. Je déclare sur ta vie la royauté. Alléluia. Amen. La performance vient de l'intérieur. La performance est à l'intérieur. Ta capacité est en toi. Ta capacité est dedans. Nous sommes plus que vainqueurs. Il nous a donné son cœur. Alléluia. Acclame si tu le crois. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie, de joie, de joie. Amen.
Encore amen. Encore amen. Encore amen. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu change ton cœur. Si tu désires le miracle de la nouvelle naissance, mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Il va changer le moteur pour que la prééminence soit ta portion. Élève l'autre main vers le ciel. Lève l'autre main vers le ciel, je vais prier pour toi. Si tu veux vraiment naître de nouveau, vraiment tu dis, je veux le cœur de Dieu, lève ta main. Répète après moi, Seigneur Jésus, tu es mort pour moi à la croix. Aujourd'hui, je désire le cœur de Dieu. Change mon cœur. Donne-moi le cœur divin. Donne-moi le pouvoir d'en haut. Donne-moi la vie d'en haut. Merci Seigneur. Décris mon nom dans le livre de vie. Et nous tous ensemble, on déclare ceci. Donne-moi de prendre conscience de ce que je suis devenu en Christ. Donne-moi de prendre conscience au Père tous les jours de la vie de Dieu qui est en moi. Et je veux, Éternel, que tu m'accordes le courage et l'audace d'affronter les épreuves auxquelles je serai confronté en restant arrimé, agrippé à ta parole au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Demeure béni, demeure comblé. La grâce de Dieu est avec toi. Acclame très fort le roi au nom de Jésus.